Ça va aller mieux quand même. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas été là pour vous présenter les soirées spéciales du back office. Eh bien, je suis de retour pour cela et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter ce soir les petites nouveautés qu'il peut y avoir dans le compte Skyway Capital. Je vais essayer d'augmenter un peu mon son parce que il n'était peut-être pas assez fort, voilà, vous m'entendez peut-être un peu mieux comme ça. Eh bien, ravi, comme je le disais, de vous retrouver après une période de vacances, pour vous, très certainement. Moi, pas forcément, mais on a toujours plein de travail et plein de choses à faire. Et c'est vrai que vous avez peut-être eu l'occasion de suivre un peu les péripéties des gens qui sont allés à l'Ecofest cette année. Oui, pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Parce que, eh bien, ma foi, on ne peut pas être partout, c'est un peu compliqué, et c'est vrai que j'y ai été 2 années de suite, et je vous ai rapporté des images, et c'était vraiment important de montrer la réalité, mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a moult images à travers les réseaux sociaux, et qu'il y a même tellement d'informations que j'ai ralenti moi-même un peu de donner des informations Skyway, parce qu'il y en a partout. Il y en a partout, il y en a des dizaines par jour. S'il y a des gens qui ne les voient pas, eh ben, je ne peux rien. C'est bien ce que je disais toujours, c'est quand on s'intéresse à quelque chose, eh bien, il faut s'y intéresser à fond. Alors, il y a dans la salle, bien sûr, des gens qui, eh bien, regardent un peu tout ça, mais même quand vous prenez le relais de ce que je faisais à une époque, de tout redonner à d'autres personnes, eh bien, malgré tout, vous avez toujours encore des questions qui sont posées du genre qu'est-ce qui se passe chez Skyway? Alors que tous les jours, tous les jours, tous les jours et tous les jours, il y a des infos, il y a des images, il y a des vidéos, il y a des textes, il y a des actualités. Bref, on peut pas passer à côté. Et quand les gens vous demandent ce qui se passe, c'est presque un peu vous faire une je sais pas moi, c'est presque une injure pour ceux qui font un travail et qui le montrent tous les jours, de ne pas se rendre compte de ce qui peut se passer alors qu'il y a tellement d'images et tellement de textes et tellement de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux à propos de Skyway. Donc voilà un petit constat que l'on fait. C'est comme pour les soirées que j'anime ici. C'est vrai que je constate une fois de plus que ce sont toujours les mêmes téléspectateurs et que malgré tout c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que à ma foi j'essaye d'apporter le meilleur de moi-même et je l'ai longtemps fait, mais je constate aussi que finalement ben, parfois ben, ça sert absolument à rien. Voilà un petit peu un constat amer que je fais ce soir. Il faut à un moment donné dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas du genre à passer ou ne pas dire les choses. Ma foi, c'est un peu compliqué. On essaye d'aider au maximum les gens qui nous posent des questions, mais malgré ça, on se rend compte que c'est pas suffisant et qu'il faudrait un magnétophone qui tourne toute la journée. Vous savez, une cassette ou avoir une chaîne où diffuse toute la journée la même chose, en fait, pour expliquer, réexpliquer, réexpliquer, parce que c'est compliqué et que, ma foi, il y a des gens qui sont nouveaux et qui ne comprennent pas, et il y a des gens qui sont anciens qui eux-mêmes ne comprennent rien et qui du coup ne peuvent pas expliquer. Donc, c'est un constat amer, mais on ne sait pas toujours quoi faire dans cette situation. Je suis là ce soir et très sincèrement, je crois que je vais vous exprimer le fond de ma pensée, c'est que je ne sais pas si ces soirées vous sont vraiment utiles. Il y a des replays qui existent, ça c'est parfait. Si vous arrivez à les retrouver, c'est bien. Moi, des fois, je diffuse sur mes chaînes YouTube, mais ça suffit pas. Je vois bien qu'il n'y a pas moult vues non plus. En fait, c'est une question que je me pose, à savoir si c'est bien utile de le faire ou pas. Voilà, donc j'en suis à ce point-là. Maintenant, je suis là ce soir et je vais essayer de vous apporter encore le meilleur de moi-même et des explications que je peux donner.
pour l'utilisation du back-office qui a, ceci dit, un petit peu changé, légèrement. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Questions-réponses de toutes sortes, mais aussi nouveautés du back-office. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Déjà, d'un nouveau statut dans le back-office. BO voulant dire back-office, parce que ça aussi, les abréviations, il y a beaucoup de gens qui ne les comprennent pas. A.Unitsky, ça veut dire Anatoly Unitsky, il y a encore des gens qui ne le savent pas. SWC, ça veut dire Skyway Capital, il y a encore des gens qui ne le savent pas. Donc, c'est un peu compliqué, vous voyez, si, encore une fois, on devrait avoir une espèce de truc qui tourne toute la journée, qui explique et réexplique et réexplique et réexplique encore, parce que, il y a toujours des gens qui arrivent un peu à la ribambelle et qui ne s'en rappellent de rien. Donc, ici, dans le back-office, intitulé BO, eh bien, vous avez un nouveau statut qui se trouve complètement à droite, qui s'appelle Sky Expert. Alors, le Sky Expert a été réalisé très certainement parce que notre ami belge, qui pulvérise tous les records de parrainage en Belgique et dans le monde, a largement dépassé le statut de top expert. Et je pense qu'il a peut-être voulu un peu que l'on en rajoute une couche, histoire de pouvoir atteindre ce statut un peu au-delà. Cependant, ce statut de top expert est déjà relativement difficile à atteindre. Quant à Sky Expert, il faut vraiment s'accrocher. Moi, qui suis expert en France et presque le seul, je dis bien presque parce que je suis le seul un peu actif, je peux vous garantir une chose, c'est que c'est pas simple à atteindre. Donc, top expert, c'est encore plus difficile. Et alors, Sky Expert, alors là, excusez-moi, mais il faut, vous le voyez, il faut quatre top experts. Il faut avoir non seulement arrivé soi-même à être top expert, mais en plus, il faut avoir quatre top experts dans son équipe. À savoir en avoir deux dans sa ligne directe et en avoir deux un petit peu plus loin. Avoir investi aussi 20 000 dollars, bon, ça, si on est actif, c'est pas trop un problème, et atteindre 90 000 dollars sur la première ligne, ça non plus, c'est pas extrêmement difficile à atteindre. En fait, pour être un peu plus clair dans les statuts, ce qui est toujours relativement difficile à obtenir, c'est d'obtenir les trois personnes que vous avez besoin avec le statut nécessaire. Je vous donne un exemple. Si vous voulez devenir expert comme moi, vous devez avoir trois masters. Ces trois masters, déjà pour aller atteindre un master, c'est déjà un sacré boulot. Ensuite, pour atteindre expert, bon, il faut certes, c'est vrai, le montant qu'il faut investir soi-même, mais encore une fois, si vous avez du monde dans vos équipes, acheter des parts, c'est pas très compliqué. Voilà, vous avez à ce moment-là l'argent qu'il faut pour les acheter. La plus grande difficulté, c'est vraiment de pouvoir coacher et amener des gens au statut que vous avez besoin en dessous de vous pour pouvoir atteindre les niveaux. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ce Sky Expert apporte. Ce statut est donc offert à un partenaire dont le montant d'investissement personnel est de 20 000 dollars et qui a au moins quatre partenaires au statut de top experts, dont deux qui se trouvent au premier niveau, donc c'est-à-dire juste en dessous de soi-même, et deux qui peuvent se trouver en profondeur, mais le plus souvent pas dans la même ligne d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, il faut au premier niveau, je vous l'ai dit, 90 000 dollars. Ça aussi, ça peut se faire, c'est réalisable, c'est pas vraiment le plus difficile. Le plus difficile, je vous le dis, c'est que les gens qui sont avec vous dans vos équipes, atteignent les statuts en question qui ne sont pas faciles à atteindre. Voilà un peu pour ce nouveau Sky Expert. Donc aussi quelques pourcentages qui ont changé. Si vous n'étiez pas au courant, je vous invite à aller voir les conditions d'obtention des statuts de partenariat qui se trouvent dans la rubrique pour nos partenaires et vous cliquez sur plan de rémunération. Et là, au niveau du plan de rémunération, vous pouvez même le télécharger, ce plan de rémunération, et il est assez complet, vous pouvez le consulter,
et vous rendre compte des changements qu'il peut y avoir, notamment des changements au niveau des pourcentages. Certains pourcentages ont été rajoutés ou augmentés, ce qui permet à ceux qui sont très actifs de bénéficier de quelques dollars supplémentaires tous les mois grâce au système de parrainage. Voilà donc grosso modo pour cette histoire de statut de Sky Expert qui s'est rajouté dans le back-office. Alors, on va parler des packs EcoFest qui sont toujours accessibles. Ce sont des packs qui ont été créés juste avant l'EcoFest et qui nous permettent, je vous le rappelle, d'avoir son nom d'inscrit sur une petite plaque en bronze qui va trôner dans l'Eco-Technoparc en Biélorussie à Marina Gorka. C'est toujours sympa quand on n'a pas eu l'occasion, par exemple, comme moi, de figurer sur le plafond des gens qui sont parmi les premiers investisseurs. Et je pense qu'il y a même ici des gens dans la salle qui ont leur nom au plafond parce qu'ils ont investi en 2016, voilà, jusqu'en 2016 à peu près, jusque, je crois, 2017. Je pense que c'était pour l'anniversaire de Monsieur Unitsky, c'était en avril, le 19 avril, il me semble, 18 avril 2018, ou 17 ou 17, il me semble, voilà. Tous les gens qui avaient investi, eh bien, ils ont eu l'occasion d'avoir leur nom sur le plafond qu'a payé Monsieur Anatoli Unitsky dans le musée qui se trouve juste en dessous du bâtiment d'ancrage et qu'on a, pour certains, eu l'occasion de visiter et de voir notre nom. Voilà. Alors ça, ces packs qui sont proposés là, c'est un petit peu une alternative par rapport à ça. À un moment donné, il avait été question d'avoir des arbustes et des arbres. Il y a d'ailleurs un de mes amis, un de nos amis Gilbert, qui a l'occasion, lui, d'avoir eu son pommier. Je l'avais filmé l'année dernière à côté de son pommier. Et il avait même ramené des pommes de son arbre pour les manger. Et c'est vrai que quand on regarde l'arbre en lui-même, au pied de l'arbre, eh bien, il y a son nom. C'est son pommier qu'il a payé grâce à son pack et qui pousse à l'éco-technoparc. Je vous avouerai que quand on va à l'éco-technoparc et qu'on voit son propre arbre sur place et qu'en plus il y a des pommes dessus, c'est assez sympa. C'est assez sympa de pouvoir dire, bah, tiens, je vais cueillir une pomme, c'est mon arbre à moi, il porte mon nom, etc. Là, c'est pareil. Si vous voulez acquérir encore un pack qui s'appelle Éco-Futur, vous avez possibilité d'avoir, je vous le rappelle, donc c'est écrit là dans le petit encart où il y a marqué plus de détails. Et d'ailleurs, ce plus de détails, je vous invite à le regarder un peu partout parce que vous avez en dessous de tous les packs, vous avez des possibilités de cliquer ce lien. Tous les noms et mots qui sont soulignés dans le back office sont en fait des liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Je vous le rappelle. Et grâce à ça, vous pouvez découvrir ce qui est caché en dessous. C'est souvent des explications plus précises et des explications que vous n'aviez pas et peut-être des questions que vous posez vous-même parce que vous n'aviez pas vraiment compris de quoi il s'agissait et qu'en réalité, les explications sont données là en dessous de ces petits liens que vous pouvez donc cliquer. Je vous invite donc à le faire et à voir ce qui est écrit en dessous. Maintenant, quant à ce qui concerne les packs, les fameux deux packs qui sont présentés là, il y a encore des gens qui posent des questions, savoir où il y a marqué à droite, par exemple, pour les partenaires. Il y a des gens qui disent c'est quoi les partenaires? Les partenaires, ce sont des gens qui développent le réseau, c'est-à-dire ce sont des gens qui, effectivement, ont l'occasion de faire ce qu'on appelle du parrainage, de monter des équipes, de faire entrer des gens dans l'équipe et des investisseurs et qui leur permettent de percevoir des commissions de parrainage pour pouvoir payer leur pack ou retirer l'argent parce que je vous rappelle qu'on peut retirer l'argent dans sa poche avec un moyen de retrait qui est disponible dans le back-office, notamment les bitcoins et peut-être ADV Cash ou Perfect Money. Voilà, en gros, c'est cela. Et puis, vous avez aussi donc ces packs qui sont affichés là où il est marqué pour les investisseurs. Donc ce sont les gens qui ne développent pas parce que ce n'est pas une obligation. Et les gens qui développent, eux, par contre, ils ont possibilité d'utiliser les bonus de parrainage, c'est-à-dire l'argent qu'ils reçoivent sous forme de commission dans le back-office. Et à la place de retirer,
vous pouvez acheter le pack de droite, c'est-à-dire avec un peu plus d'escompte, c'est-à-dire comme vous avez vous développez du réseau, Skyway Capital vous remercie en quelque sorte et vous offre un peu plus de parts. Donc c'est-à-dire qu'à la place d'avoir 40 000 parts, vous en avez 45 000 pour 1 000 $. Et vous pouvez donc payer ce pack grâce à ces bonus. Et c'est comme ça que vous aurez l'occasion d'avoir une petite plaque en bronze avec votre nom qui sera donc quelque part dans l'éco-technoparc. Et que peut-être que l'année prochaine, si vous allez sur place à l'Ecofest, qui en général se déroule au mois de juillet-août, eh bien vous aurez l'occasion de voir à ce moment-là cette plaque à l'endroit où elle sera apposée avec votre nom, prénom, et ça fait toujours plaisir. Voilà un petit peu pour les explications et pour ceux qui n'avaient pas compris ce que c'était que ces deux packs qui traînent ou qui trônent là-haut, comme vous voudrez, dans le back-office et qui vous présentent donc cette possibilité. Maintenant, on va essayer d'avancer un peu dans le back-office et avancer, enfin en tout cas, c'est surtout la page d'accueil. Lorsque vous arrivez, elle a un petit peu changé parce qu'auparavant, vous aviez les actualités qui figuraient en haut à droite et vous aviez à gauche, en ribambelle, l'un en dessous de l'autre, vous aviez les différents comptes. Les différents comptes qui ont d'ailleurs un tout petit peu changé de nom parce que maintenant, vous avez un compte qui s'appelle compte participatif. Voilà, pardon, je cherchais parce que je n'ai pas trop l'habitude. Avant, ça s'appelait autrement. Donc maintenant, ça a été transformé un tout petit peu. Ça s'appelle un compte participatif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce compte participatif? Il y a des fois des gens qui ont de l'argent dans ce compte participatif, mais en fait, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent même pas pourquoi il est là. Alors, je voudrais répéter ça parce que donc vous voyez déjà que la disposition dans le back-office est différente et que vous avez aussi un œil qui vous permet de cacher les chiffres. C'est ce que moi j'ai fait. Je vous les ai encadrés en rouge pour que vous puissiez voir les deux yeux avec possibilité de cacher les chiffres. Si toutefois vous voulez montrer par exemple votre back-office à un filleul ou un prospect et que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller dans votre propre back-office. Faire par exemple un partage Skype et lui montrer votre back-office, montrer comment ça se fait à l'intérieur sans être obligé de révéler ce que vous avez acheté, le nombre de parts que vous avez et l'argent dont vous disposez dans votre back-office. Donc ça, c'est un avantage. Il faut tout juste cliquer cet œil avant de montrer cela et non pas de rentrer dans le back-office et puis de commencer à cliquer parce que la personne elle aura de toute façon déjà tout vu. Donc vous pouvez cliquer sur l'œil. Il me semble même que ça reste en place, que si vous retournez dans votre back-office, il faut recliquer sur l'œil pour pouvoir voir de nouveau vous-même. Vous pouvez aussi replier grâce au petit onglet qui se trouve à droite, mais là je ne l'ai pas ouvert. Enfin, je ne voulais pas encadrer en rouge, mais on le voit juste en dessous du mot paramètres. Vous avez un petit onglet qui vous permet de replier la rubrique de telle manière à ne absolument pas la voir. Voilà. Mais bon, pour des raisons explicatives, on peut être amené à montrer qu'il y a un compte principal, un compte bonus d'argent. C'est là que l'on reçoit l'argent. Et pourquoi bonus d'argent? Parce qu'avant, à une époque, on pouvait aussi recevoir des bonus participatifs ou d'autres bonus qui étaient reversés à certaines personnes. Durant une époque, ça n'existe plus parce que les parts de Skyway prennent de la valeur et vous le savez, l'escompte diminue et les avantages diminuent au fil du temps parce que ça prend beaucoup plus de valeur. Alors, peut-être que certaines personnes pensent que c'est peut-être trop tard pour acheter des parts. Je pense que non. Personnellement, je vous invite à acheter encore et encore des parts. C'est pas parce que tout à l'heure, au début, j'ai dit que l'intérêt des soirées back-office n'est plus tellement là, qu'il ne s'agit pas d'acheter des parts. Le projet Skyway est un excellent projet. Il avance à son rythme, mais il ne sera que plus conséquent pour les gens qui bénéficieront un jour des retours sur investissement. Mais dernièrement, il n'y a pas si longtemps, il y a même quelques jours, nous avons lu le webinaire de Monsieur Maslow
Et par contre, c'est pareil, il y a des gens qui soit ne le lisent pas, soit le lisent en diagonale, ou ne comprennent pas ce qui est écrit dedans. Monsieur Maslov dit depuis des mois et des mois qu'une éventuelle entrée en bourse serait en 2021. S'il y a des gens qui posent encore la question, c'est qu'ils ne lisent pas ce que dit Monsieur Maslov. Ou alors Alexei Sukhadov, qui fait également des webinaires. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est toujours pareil, il faut suivre un peu l'histoire, faut lire un tout petit peu les textes, même s'ils sont des fois un peu à rallonge, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Sinon, vous êtes un peu perdu et vous ne comprenez plus du tout de quoi il parle. Pourtant, dans le dernier texte qu'il a publié il n'y a pas longtemps, vous pouvez dire que lui-même va éventuellement acheter une voiture en 2021, et ce qui laisse présager que ce serait en 2021. Mais il a aussi dit que, et maintenant on s'avance plus sur les dates, hein, parce que sinon ça devient un peu lourd pour ceux qui prennent ça, comme on dit, au pied de la lettre, hein, c'est-à-dire des gens qui pouvaient penser que c'est tel jour à telle date, que ça se fait comme ça, on claque dans les doigts et padaboum, ça fonctionne. Moi, j'aimerais bien vous y voir, apprendre la pelle et la pioche et d'aller aux Émirats Arabes Unis, de creuser des trous et de monter des cabanes là-bas, pardon, je veux dire le showroom ou la maison d'hôte qu'ils sont en train de monter. C'est simplement parce qu'elle est en bois que je disais cabane. Mais allez-y et vous allez voir comme c'est facile à travailler par 50 degrés. J'ai un ami qui était à Dubaï cet été. Je peux vous dire une chose, il m'a dit qu'en journée, il faisait entre 40 et 50 degrés. Donc, c'est facile de critiquer derrière un écran et de dire que les choses n'avancent pas et qu'on veut ses dividendes et qu'on veut ci et qu'on veut ça. Mais avez-vous vu le travail conséquent qui est abattu sur place pour pouvoir un jour que vous puissiez vous bénéficier des dividendes et pouvoir avoir un retour sur investissement? Prenez-le juste un tout petit peu en considération. Et vous verrez que vous ne trouverez pas le temps aussi long que vous le pensez. Oui. Je dis des fois ce que je pense, c'est vrai, mais je lis tellement de choses et tellement d'impatience et tellement de faux que de temps en temps, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure et les points sur les i. Donc, c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que moi-même, aujourd'hui, j'achète encore des parts Skyway. Il y a des gens qui se sont arrêtés depuis très longtemps. Ils ont acheté un pack à 250 dollars et puis ils se sont arrêtés là. Pourquoi? Mais parce que, ils ne croient pas forcément au projet. Pourtant, le projet démontre et montre tous les jours, et je vous l'ai dit, comment que ça avance, comment que ça roule, ce qui est fait. Et pourtant, il y a énormément de choses qui sont faites. Maintenant, ils ont même lancé des numéros news faits par Monsieur Kirichenko, qui présente très exactement, il y a des nouvelles vidéos de présentation avec Dubaï qui sont encore sorties. Enfin bref, il y a énormément de choses à côté desquelles on ne peut pas passer. Donc investir aujourd'hui encore dans SkyWest, c'est l'occasion que le jour où il y aura des petits dividendes, c'est aussi de l'explication que je vous donne là, où il y aura des petits dividendes, parce que c'est ce qui a été dit hein, encore par M. Maslov, il a dit. D'ici 2021, il pourrait y avoir des dividendes, mais peut-être petits, peut-être pas très gros. Et qu'à ce moment-là, ne gagneront que ceux qui ont acheté beaucoup de parts. C'est vrai que si vous avez pris un pack à 250 dollars et que vous avez, je sais pas moi, 20 000 parts, et que vous comparez ça avec quelqu'un qui a 1, 2, 3 millions de parts, excusez-moi, mais quand il y aura, par exemple, je sais pas moi, un centime qui débarquera en dividende, je vous donne vraiment un exemple, hein, attention, j'ai pas dit que ce sera ça. Un centime, ben, vous n'allez pas avoir grand-chose, excusez-moi. Par contre, celui qui aura acquis entre-temps plusieurs millions de parts, celui-là va recevoir beaucoup plus, parce que c'est comme quand vous achetez de la crypto-monnaie. Si vous en avez beaucoup et que vous revendez et que le cours y change peu, vous avez beaucoup d'amplitude, donc vous avez beaucoup d'argent qui peut se dégager, alors que si vous avez une toute petite part, ben en fait, ça ne vous rapporte pas grand-chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil. Si vous avez beaucoup de parts, ça vous permet d'avoir le jour où il y a des dividendes, ben, même si le dividende il est tout petit, d'avoir une grosse somme. Et si vous avez acheté peu, eh bien, ma foi, ben, vous aurez des miettes, ce que j'appelle des miettes. Alors, ben voilà, des explications. Back office ou pas,
je vous donne un petit peu ma façon de voir les choses et de vous dire surtout que ne lâchez rien. Vous voyez la belle évolution positive de Skyway. Pour ceux qui n'ont pas écouté le discours de Anatoly Linsky à l'occasion de l'Ecofest ou qui l'ont lu, parce qu'il y a eu pareil des textes à rallonge qui sont parus suite à l'Ecofest, il a tout de même dit qu'il y avait 10 milliards de contrats de signés aux Émirats Arabes Unis et qu'ils vont participer à l'exposition universelle 2020 à Dubaï, et qu'à cette occasion, les visiteurs qui viendront à l'expo verront du Skyway et encore du Skyway, et verront même circuler du Skyway d'ici là. Et de ce fait, enfin, Skyway envisage de signer jusqu'à 50 milliards de contrats supplémentaires. Vous voyez? Donc, sachant que la valeur nominale de Skyway étant de 400 milliards de dollars, si on en a déjà 10 plus 50, ça fait déjà 60, ça représente déjà une bonne partie des besoins qu'il pourrait y avoir pour entrer en bourse. Réfléchissez un peu à ce que vous entendez, analysez un tout petit peu. Et vous verrez qu'il y a là de larges possibilités, mais pas en ayant acheté des miettes. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Vous voyez que les soirées back-office servent aussi à faire un peu d'analyse et à comprendre les choses comme elles se doivent. Oui, c'est vrai, la concurrence aussi avance. Oui, très intéressant le texte, bien évidemment. Et je vais même moi-même. Et je vous la posterai un peu sur Facebook, la vidéo complète d'Anatoly Linsky avec le sous-titrage. Quand on l'écoute, et qu'on écoute tout ce qui a été fait, on ne peut être que stupéfait et se rendre compte de la réalité par rapport à ceux qui disent que rien n'avance. Donc, beaucoup de choses avancent, mais on ne peut pas toujours tout raconter parce que ça a valu à Skyway des mésaventures de tout raconter. Des contrats qui ont sauté, qu'on essaye tant bien que mal de rattraper, mais qui avaient été annoncés avec beaucoup de médias autour et beaucoup d'enthousiasme, trop d'enthousiasme, qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, on ne parle plus de rien, ou quasiment, et qu'il y a des gens qui se posent des questions de ce qui se passe, mais en fait, il se passe plein de choses, mais on ne peut pas les révéler, parce que ben, il y a malheureusement des gens qui sont influents sur cette planète, et qui arrive à mettre des bâtons dans les roues à Skyway. Et donc on essaie d'éviter d'exposer les plans au vu de tout le monde pour préserver les investisseurs. Je dis bien les investisseurs que nous sommes, pour que nous puissions bénéficier un jour des dividendes. Voilà. Je vous remontre à nouveau les actualités dans le back-office. Là aussi, je voudrais insister encore une fois sur cet aspect, parce que beaucoup trop de gens disent qu'ils ne savent pas ce qui se passe, alors que tout est sous leur nez. Il y a énormément de gens qui s'inscrivent sur Skyway, mais qui ne rentrent plus jamais sur leur back-office, ou qui ont fini de payer leur pack et qui n'y retournent absolument pas. Parce qu'ils ne jugent pas ça nécessaire, alors qu'il y a des choses qui sont affichées dans le back-office, notamment les webinaires, les news, vous avez également les représentations physiques qui se déroulent dans divers pays. Je vous rappellerai tout de même que j'ai personnellement mis en place les présentations au Bénin et en Côte d'Ivoire, qui permettent à beaucoup d'investisseurs, qui sont nombreux d'ailleurs dans ces pays, à participer à ces présentations officielles faites par Skyway Capital et aussi par moi-même et par mes collaborateurs qui sont sur place, notamment en Côte d'Ivoire et au Bénin, où nous avons des superviseurs Skyway Capital qui ont été mis en place et qui ont déjà drainé pas mal de monde et qui vous apportent un soutien dans votre propre pays. C'est important, assister à ces présentations. Parce que ça vous permet de garder le contact, ça vous permet d'avoir les informations et ça vous permet surtout d'avoir une personne physique dans votre pays que vous pouvez rencontrer
et qui est un représentant officiel de la société Skyway Capital. Ça, c'est important. Alors, les actualités, vous pouvez donc aller dans le back-office et les voir. Vous avez plein d'actualités, vous en avez quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, vous avez quelque chose qui paraît. Et c'est donc là qu'il y a la possibilité. Voilà, donc pour les actus, tout y est, hein, quasiment tout. Hein. Après, vous avez des chaînes. Hein. Quand vous avez parfois une vidéo qui apparaît là dans ces actualités, vous cliquez dessus, vous pouvez tomber sur soit la chaîne YouTube, soit sur la chaîne Vimeo. Et si vous mettez sur la chaîne Vimeo, en bas, il y a un petit CC sur les chaînes Vimeo. Vous cliquez sur CC et vous pouvez mettre en sous-titrage français. Ça vous permet d'avoir les actualités en français. Ne croyez pas que parce que c'est en russe qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, les textes qui sont traduits en français ont eu beaucoup d'évolution dans les derniers temps. Et il y a maintenant très peu de fautes de syntaxe et les textes sont beaucoup plus compréhensibles qu'auparavant. C'est aussi une évolution, mais tout le monde ne le voit pas, malheureusement. Malheureusement. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des présentations PowerPoint, parce que vous n'aviez peut-être pas vu, si vous n'avez pas mis votre nez récemment dans le back-office, vous n'aviez peut-être pas remarqué que dans la rubrique outils de partenariat, qui se trouve notamment dans la rubrique qui s'appelle pour nos partenaires, vous voyez en haut à gauche, il y a marqué pour nos partenaires. Vous cliquez dessus et ensuite vous allez sur outils de partenariat. Si, quelqu'un connaît, ça sort en français. Il suffit pas, bien sûr, pas en langue française, mais c'est sous-titré. S'il y a le petit CC en bas, s'il y a le petit CC en bas sur les vidéos Vimeo, je parle vert, pas sur les vidéos YouTube et encore YouTube, il y a aussi la possibilité de mettre les sous-titrages. Simplement, il faut faire une double manipulation pour y accéder. Maintenant, sur les chaînes Vimeo, s'il n'y a pas CC, il n'y a pas de traduction. S'il y a CC en bas, vous pouvez avoir la traduction. Et souvent, la traduction, ça est fait un petit peu après, donc il faut patienter quelques jours. Souvent, la traduction arrive après et vous pouvez regarder cette vidéo un petit peu en décalé, 2, 3 ou 4 jours après. Et cette fois-ci, le sous-titrage en français est bien, bel et bien présent. Vous cliquez sur CC et vous cliquez sur Français ensuite. Voilà. Espérant que ça a pu vous aider pour savoir comment faire. Et je parle bien des vidéos Vimeo qui ont CC en bas. Donc pas sur YouTube, sur Vimeo. Voilà. Ensuite, ben, je voulais vous parler un petit peu de ces outils de partenariat, parce que là aussi, on a tendance à pas savoir que ça existe. Allez donc. Parce que dernièrement, j'ai encore des gens qui j'ai vu demander sur des forums, est-ce que vous avez un document Skyway? Oui, chers amis, vous avez tous des documents Skyway dans votre back-office. C'est comme les actualités. Vous avez tous des actualités dans votre back-office. Vous avez tous un plan de rémunération. Vous avez tous des documents. Vous avez tous des documents de présentation dans votre back-office. Le problème, c'est que les gens ne vont pas aller voir et donc ne voient rien. Et donc après, ils disent, t'as pas ci, t'as pas ça. Mais si tu regardais un petit peu dans ton back-office, cher ami, mais tu te rendrais compte que tout est là sous tes yeux et que tu n'auras pas besoin de demander. Donc, on va sur pour nos partenaires et on clique sur outils de partenariat. Et là, sur outils de partenariat, vous avez des slides, vous avez des PowerPoint, vous avez des images que vous pourriez très bien assembler, mettre ensemble, les mettre à votre sauce ou dans votre langue, parce que peut-être qu'aussi il y a des documents qui sont en anglais ou qui sont en russe. Alors vous n'arriverez peut-être pas à les déchiffrer, mais souvent ils sont en anglais et en russe. Et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et vous voyez qu'ici, vous avez un document que je vous montre avec la flèche, qui est un PowerPoint de présentation adapté en français. Alors je dis adapté en français parce que il est à la fois en russe et en anglais, mais si vous présentez ça à un ami, vous le mettez sur votre back-office, sur votre ordinateur, c'est pas très compliqué d'expliquer ce qu'il y a marqué, ce qu'il y a sur l'image, vous voyez? Et puis en dessous, vous avez également les règles d'utilisation des images Skyway. Donc sur cette page qui s'appelle, je vous rappelle, outils de partenariat, vous avez beaucoup de documents.
Vous avez également un catalogue. Bon, il est en anglais, d'accord. Mais un catalogue qui montre les images avec la technologie, en quelque sorte, hein. Voilà. Et là, vous pouvez télécharger ces documents et vous pouvez donc les montrer. Alors moi, je vous les montre parce que souvent, on ne les connaît pas. Donc, vous voyez, je vous parle du document qui se trouve là, que j'ai encadré, OK? Qui se trouve en haut, là, en premier, où il y a marqué PowerPoint de présentation à adapter en français. Alors, comme c'est un PowerPoint et que je fais mes présentations mercredi soir en PowerPoint, j'ai tout simplement recopié ce PowerPoint pour vous le montrer. Alors, je vais passer les images très vite parce que je ne veux pas vous faire une présentation ce soir. Je ne veux pas vous faire une présentation, bien que ce serait peut-être utile pour certains. Mais en tout cas, voilà par quoi ça commence. Donc, vous avez les images Skyway, d'accord, avec la technologie. Et on explique le problème. Alors, problème, vous voyez, c'est écrit aussi bien en anglais qu'en russe. Mais je ne vois pas le problème, moi. Problème, c'est problème. Donc, voilà, qu'il y ait un E ou pas de E, on parle du problème numéro 1. Le problème numéro 1, c'est donc la population, ce sont les bouchons, c'est le nombre de voitures, en tout cas le trop grand nombre de personnes qui circulent. D'accord? Donc, pour ça, le problème numéro 2, c'est la pollution. D'accord? Il n'y a pas besoin vous voyez, quand vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un, ça peut être très très simple. Et vous pouvez mettre vous-même des mots dessus, dans n'importe quelle langue d'ailleurs. Que ce soit en chinois, en mandarin, en espagnol, en portugais, en ce que vous voulez. Quand on voit un train qui pollue, c'est pas très compliqué de montrer que c'est de la pollution. Vous voyez, l'image parle d'elle-même. D'accord? Donc, problème numéro 2, la pollution. Là, vous voyez encore la pollution, le pétrole, d'accord? Donc, c'est simple à expliquer. Problème numéro 3, bien, vous le voyez, c'est les catastrophes naturelles ou les routes qui peuvent être submergées par du sable, du givre ou des ponts qui s'écroulent. Vous voyez, c'est le troisième problème qu'il peut y avoir. Et la solution, eh bien, ce sont les transports Skyway avec donc une estacade, comme ils appellent ça, où vous pouvez faire circuler un train au-dessus et un train en dessous qui sont suspendus entre des poteaux. Et on peut aussi transporter des marchandises et les faire circuler dans une ville avec des véhicules dits urbains. Vous voyez? Voilà la technologie. On la présente très rapidement. C'est une technologie à cordes. Les cordes permettent d'être suspendues et donc étirées. Et ça permet de faire circuler des véhicules là-haut. Voilà les explications qu'il peut y avoir. Et on montre les différents poteaux et des potentiels qu'il peut y avoir. On montre les rails et ce qu'il y a à l'intérieur avec les cordes et le béton spécial. Vous voyez, je vous fais une présentation vite fait comme ça. Les moteurs qui sont électriques et qui vont donc permettre à ces véhicules de circuler sur ces estacades. Les produits, les voici, les différentes formes, ça va jusqu'au conteneur en passant par le Super Light qui est donc le Uniwind que vous avez pu voir à l'Ecotechno Park. Voici donc les différents véhicules, l'Unibike, l'Unibus, etc. Et nous avons également l'Unibus à trois wagons, comme on peut dire, avec possibilité d'avoir une seule unité ou d'en avoir trois. On a aussi les véhicules pour les marchandises, les systèmes de chargement-déchargement. On a l'Uniwind qui est l'extra léger et on a la super grande vitesse qui peut aller jusqu'à 600 km/h. Les avantages de la technologie, ce sont l'aérodynamisme qui est fortement amélioré grâce aux efforts de M. Unitsky et des économies de carburant que l'on peut faire grâce au déplacement de ce genre de véhicule avec la capacité de transporter beaucoup de gens. Vous avez également le prix de revient de ce type de transport qui est nettement inférieur à tous les autres modes de transport qui existent. L'auteur en lui-même étant Anatoly Binitsky, qui a déposé de multiples brevets et qui a fait des tests depuis l'année 2001 avec un vieux camion qui est aujourd'hui exposé à l'Ecotechnoparc. Il a fait aussi des monographies et il a édité des bouquins depuis de nombreuses années qui montre qu'effectivement, il était à l'origine de ce concept.
Les différents documents sont tous les brevets et les certifications de matériel qui existent, y compris en Chine, et de nombreuses médailles et d'autres diplômes perçus avec également des ISO, certificats de toutes sortes pour tous les véhicules. Vous voyez qu'il y a également des reconnaissances de la part ISO 9001-2015 et un thème de développement majeur qui est celui également d'avoir du personnel. Il y a aujourd'hui près de 1000 personnes qui travaillent chez Skyway avec des bâtiments et des unités de production qui existent de plus de 10 000 mètres carrés. Un écotechnoparc qui a une valeur aujourd'hui marchande qui n'est pas négligeable et un écotechnoparc qui a commencé à être sur des images virtuelles et qui aujourd'hui n'est que réalité. Vous pouvez voir aussi les investissements qui ont été faits à Sharjah aux Émirats Arabes Unis avec les Emirates qui ont donc investi beaucoup d'argent et alloué 50 hectares de terre au départ et au final 100 hectares de terre. Et aujourd'hui, nous avons un développement et un intérêt des produits Skyway qui est planétaire et qui commence à se développer un peu partout. Voilà, un investissement unique qui est basé sur 15 étapes avec deux étapes qui restent. Et vous avez un panel de véhicules qui circulent dans l'Ecotechno Park. Les langues qui sont présentes sur le site Skyway Capital sont très nombreuses et permettent de parcourir le monde. Voilà, vous avez des schémas également qui vous sont donnés avec ERSSH, qui est donc en fait le registre qui permet d'enregistrer les gens qui ont acheté des parts, de telle manière à ce que le jour que ça aille en bourse, à ce que ce registre soit un registre officiel dans lequel vous êtes enregistré avec votre nom, votre prénom, votre adresse, votre date de naissance, pour justifier que vous êtes bien propriétaire ou copropriétaire de cette technologie par le biais des parts que vous avez achetées. L'expérience montre aussi que l'aérodynamisme et le système de cordes qu'a inventé M. Unitsky est très performant et que ce n'est pas quelque chose de plat, mais que ça a une amplitude qui permet donc au véhicule d'atteindre des vitesses et d'utiliser justement la corde, comme on dit, pour aller en descente et n'utiliser que l'autre côté, la remontée avec les moteurs, donc on économise du carburant. Là, vous avez une petite coupe des rails qui vous démontre encore une fois l'intérêt des cordes à l'intérieur et on peut voir l'efficience du matériel dans tous les domaines, que ce soit en prix de revient, en prix d'exploitation, en pollution et en rareté d'accidents. Skyway gagne sur tous les terrains. Voilà donc un petit peu les différentes slides que vous avez. Je vais essayer d'aller vite parce que vous voyez, il y a la part de l'hydro, la part de l'électrique. Voilà, on vous montre un petit peu. Jusqu'en 2028, vous voyez, eh bien, tous les véhicules, jusqu'en 2028-2033, tous les véhicules fonctionneront à l'énergie électrique. Et ce pourquoi Skyway fait partie des plans de ce qu'il peut y avoir prochainement, dans les prochaines années, qui sera là. À l'équivalence de ces grandes sociétés que vous voyez là affichées à l'écran et qui ont proposé un jour d'entrer en bourse et qui sont cotées aujourd'hui, eh bien Skyway fera de même et sera reconnu au même titre. Il ne reste que deux étapes, profitez de ces deux étapes pour avancer. Voyez déjà les véhicules qui existent, qui sont déjà en circulation et qui vous permettent de voir la réalité avec les conteneurs également qui seront bientôt certifiés et le véhicule à grande vitesse, sans oublier les maisons qui seront construites écologiques et dont nous aurons un exemple réel aux Émirats Arabes Unis parce que cette maison en bois sera donc équipée de verdure sur le toit et permettra effectivement d'économiser de l'énergie parce qu'il n'y aura pas besoin, dit-on, pour maintenir une température intérieure de climatiseur. Ce sera fait tout à fait naturellement sur ce qu'on appelle des maisons écologiques. Voici quelques images virtuelles de ce que l'on trouvera à Sharjah où il y a plusieurs lignes qui sont en train de se construire pour démontrer ces différents modèles et construire à l'avenir des villes dites linéaires, des smart cities linéaires, qu'envisage de construire M. Anatoly Unitsky.
Vous voyez là des images intéressantes avec des véhicules Skyway qui circulent, sachant que dans ces villes, il n'y aura pas de véhicules automobiles qui circuleront. Et voilà donc des possibilités qu'il y a jusqu'au Dalai Lama que M. Uniski est allé vérifier. Et la dernière page, elle est blanche pour que vous puissiez rajouter votre propre texte. Et voilà, vous voyez que je vous ai fait en l'espace de quelques minutes une présentation grâce aux documents qui figurent dans votre back-office. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Si vous connaissez un tout petit peu le sujet, si vous connaissez un tout petit peu Skyway, franchement dit, c'est du gâteau. C'est du gâteau et vous avez tous les outils. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des textes, des machins, des trucs, des bidules, de demander partout. Tout est dans votre back office. Tout est dans votre back office. Vous connaissez l'histoire de Skyway. Pourquoi essayer de chercher plus loin ce qui est là juste sous vos yeux? D'accord? Encore des astuces que je vous donne. Encore des astuces que je vous donne. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous vous rendez quand même compte que je vous en donne pas mal. Mais malheureusement, il y a bien trop peu de gens qui appliquent ce que je dis et bien trop peu de gens qui regardent ce que je dis de regarder. Et bien, ma foi, je n'y peux rien. Je ne peux que vous conseiller de le faire, mais ma foi, après, libre à chacun de faire les choses comme il veut. Par contre, ce qui est un peu hérissant parfois, c'est de se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a des gens qui effectivement continuent à poser la question de savoir comment on fait ceci ou comment on fait cela, alors que je l'ai déjà expliqué maintes et maintes et maintes fois. Alors, pour donner encore quelques exemples de questions qui sont fréquemment posées et qui bien sûr peuvent arriver parce qu'il y a des gens qui sont quand même nouveaux et qui sont là depuis pas longtemps, il y a encore des gens qui s'inscrivent régulièrement sur Skyway Capital et qui veulent acheter des parts. Moi, j'ai encore eu l'occasion d'avoir une personne aujourd'hui qui s'est inscrite, hier aussi, ou avant-hier, et bon, les gens s'inscrivent et ils se rendent compte de la réalité aujourd'hui de Skyway et veulent absolument participer, même si ils ont un peu moins de parts que ceux qui sont là depuis longtemps. Voilà. Où peut-on voir ses propres filiales? Parce que souvent, ça, c'est une question aussi. Vous devez aller dans la rubrique « Pour nos partenaires », donc qui se trouve en haut à gauche. Puis « Statistiques » et cliquer sur « Statistiques consolidées » pour voir la liste des filleuls. Ça, c'est un peu compliqué des fois, parce que je vous avouerai que, vous voyez, il faut cliquer là. Et ensuite, une fois que vous êtes sur « Statistiques », il faut cliquer au milieu. Parce qu'on a tendance à pas cliquer au milieu, parce que dans la page qui s'affiche, en fait, il n'y a pas tout de suite les filleuls qui s'affichent. Il faut cliquer sur « Statistiques consolidées ». Donc ça, si vous n'avez pas de filleul, ben, vous n'en verrez pas. Et si vous avez des filleuls, eh bien, vous en aurez toutes les ribambelles qui s'afficheront. Et attention, par contre, vous voyez, je vous mets en plus gros « Statistiques consolidées ». Voilà, c'est bien là qu'il faut cliquer pour voir ses propres filleuls qui sont donc dans votre lignée. Et vous pourrez ensuite voir des points verts vous indiquant qu'ils ont fait un investissement, des ronds verts et des ronds rouges qui vous permettent de savoir s'ils sont vérifiés ou pas, si leur compte est vérifié ou pas, et tout devant, des points verts, roses, noirs, il y en a des verts, il y en a aussi des oranges ou jaunes si vous préférez, il y en a des bleus et il y en a des violets, c'est tout simplement les statuts. Noir, c'est quelqu'un qui n'a pas déclenché son lien de parrainage. Rose, c'est celui qui est partenaire. Et ensuite, vous avez rouge, c'est consultant. Jaune, c'est leader. Vert, c'est master. Et ensuite, c'est expert, c'est bleu. Et top expert, c'est violet. Et bleu ciel, c'est sky expert. Et ça, je ne sais pas si vous verrez ce point un jour dans votre back office. Je vous le souhaite en tout cas. C'est comme ça que l'on arrive à voir les filleuls. Et par contre, ce qui est important, je le dis de temps en temps, vous avez en bas de la page, parfois on peut voir les 20 premiers filleuls et on ne voit pas le 21e, en fait, ou le 22e ou le 23e, on ne voit pas au-delà. Et quelqu'un peut s'être inscrit, mais en fait, dites que vous ne le voyez pas, mais c'est simplement parce que au niveau de l'affichage, en bas à droite, je précise bien, en bas à droite de la liste des filleuls, vous avez un affichage, vous avez un petit onglet qui vous dit que vous affichez 20 personnes sur la page. Et que, en fait, pour pouvoir en voir 50 ou en voir 500,
Ben, il faut cliquer sur le petit chiffre correspondant pour afficher les autres personnes. Sinon, ça va vous donner plusieurs pages et il faut à ce moment-là paginer, c'est-à-dire tourner les pages et passer de la page 1 à la page 2, mais vous en aurez toujours que 20 par page. Et c'est comme ça qu'on les voit pas tous. Alors que si vous mettiez par exemple sur 50 ou sur 500 pour ceux qui ont beaucoup de filleuls, vous les voyez tous d'un coup. En scrollant, comme on dit, sur l'ascenseur de votre ordinateur et ou de votre smartphone, et ça vous permettra de voir les autres filleuls que vous ne voyez pas au départ. Donc voilà quelques explications sur la visibilité des filleuls. Alors je vous redonne un petit peu l'astuce, hein, parce que je veux remonter un petit peu pour vous redonner bien où, y a, où ça se fait. Donc vous allez dans Pour nos partenaires, en haut à gauche, vous voyez. Ensuite vous allez sur Statistiques. Ça ne suffit pas. Il faut que vous cliquiez aussi ensuite sur ce bouton au milieu qui s'appelle Statistiques consolidées. Et ce n'est que là, à partir de là, que vous allez avoir les filleuls qui vont s'afficher avec des points de couleur et savoir s'ils sont vérifiés ou pas. Ça aussi, c'est important parce que des fois, les gens qui vous disent j'ai voulu payer avec ma carte bancaire, mais ça ne fonctionne pas. Il est fort probable qu'il faille faire en premier la vérification du compte avant de commencer à payer avec une carte bancaire. C'est souvent une petite astuce bloquante qui peut arriver. Vérifiez vos comptes. De toute façon, si vous achetez un pack, c'est quand même mieux de vérifier votre compte dans la mesure où ça va permettre d'afficher votre nom, prénom sur votre certificat que vous allez obtenir à la fin. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas lâché là? Le mot magique, enfin le mot qui fait tressaillir et sursauter tout le monde, le mot certificat. Mais les certificats, ce n'est rien d'autre qu'une petite, un petit temps de patience à avoir. Je vous le redis aussi dans cette soirée d'explication du back-office, il est prédit que vous ne voyez pas vos parts acquises avant le 20 du mois suivant. Donc, je le répète. Si vous avez fini de payer un pack, par exemple le 5 du mois, vous ne verrez normalement pas vos parts avant le 20 du mois d'après. D'accord? Donc des fois, il y a des gens qui disent, oui, mais je ne les vois pas. Et alors je dis, oui, c'est normal que tu ne les vois pas, tu vas les voir le 20 du mois d'après. Oui, mais je ne les vois pas. Si je te dis que tu les verras le 20 du mois d'après, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est là, aujourd'hui, on est en septembre. Si tu finis ton pack, là, tes parts, tu vas les voir le 20 octobre, pas demain. D'accord? Oui, mais je comprends pas, je les vois pas. Le 20 du mois d'après. D'accord? Bon. Non, mais je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Des fois, il y a des gens, ils sont un peu têtus. Hein. Ils comprennent pas quand on leur dit un truc. Quand on vous dit que vous les verrez le 20 du mois d'après, ben, vous les verrez le 20 du mois d'après. Et si c'est pas le 20, c'est le 21. Et si c'est pas le 22, c'est le 23. Et puis, eh ben, regardez de temps en temps. Mais de toute façon, tôt ou tard, ça apparaîtra. Pourquoi s'inquiéter? Parce que de toute façon, vous pouvez les voir ailleurs, vos parts. Vous allez sur la page Mes certificats. Vous voyez déjà que le certificat, il est là avec le nombre de parts, même s'il n'est pas validé. Vous voyez au moins quelque chose. Et si vous allez sur la page Mes tempéraments réglés, je précise. Donc, mes versements, mes tempéraments réglés, vous voyez aussi les packs qui sont payés. Donc, où est le problème? Où est donc le problème? À part un peu de patience pour voir afficher quelque chose. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'arrêter là. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là. Donc, on va rester là-dessus. Pourquoi? Ben, parce qu'il est déjà l'heure. Une heure est déjà passée, ça passe vite. Et puis que je voudrais vous mettre une petite vidéo de l'EcoFest pour que vous puissiez admirer cet EcoFest si vous n'y étiez pas, comme moi. Et vous n'y étiez pas non plus, hein, alors vous savez, on a beau dire des fois, mais vous n'y étiez pas non plus. Vous allez voir quelques belles images de l'EcoFest tout de suite. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que vous aurez l'occasion de voir le replay de cette soirée. Merci, mon ami. Toi aussi, tu as beaucoup d'énergie pour redonner toutes les informations. Et Dieu sait que
malgré ton grand travail, il n'y a pas toujours tout le monde qui le voit. Eh bien, voilà donc ce que je voulais te dire, Jacques-Olivier. Je ne sais pas, ça c'est pareil, Julien. Si vous voulez savoir s'il y a des webinaires, vous allez dans votre back-office, vous regardez dans la rubrique de la semaine où il y a marqué webinaire, et vous allez voir si effectivement il y a tout ça. Et puis d'ailleurs, Julien, je crois que tu as également branché sur le groupe Skype et que Dagnia donne ses informations. Il peut y arriver que les webinaires n'aient pas lieu pour des raisons techniques. Moi aussi, j'ai failli ne pas. Enfin, j'avais un problème avant de démarrer ce soir. Un petit problème technique, ça peut arriver. Parfois, ou alors on est pris de temps et on n'arrive pas, on a des choses à faire et on n'arrive plus à venir pour faire des webinaires, surtout quand il n'y a que 2, 3 ou 4 personnes, il faut avouer que c'est des fois un petit peu désolant à force. C'est pas, je dis pas ça pour vous parce que vous êtes des fidèles, mais justement, on aimerait voir de temps en temps des nouveaux qui s'intéressent un peu plutôt que d'avoir toujours trois ou quatre mêmes personnes. Je vous critique pas, hein, c'est juste qu'on aimerait voir des nouvelles têtes, on aimerait voir des nouvelles personnes, mais on a l'impression que ça n'intéresse personne. Donc du coup, bah, s'il n'y a pas d'intérêt, il faut quand même savoir que préparer une web conférence comme celle-ci, ça prend du temps, ça prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures des fois, et que même si je connais mon sujet, il y a quand même des nouveautés qu'il faut les étudier. Qu'il faut des fois revoir un peu les choses, il faut remettre en forme, et ça représente un travail, et que ce travail, ben, ma foi, s'il n'a pas l'écho espéré, c'est un peu dommage. Voilà, c'est un petit peu mon sentiment ce soir. Je peux vous paraître un peu pessimiste, mais c'est un simple constat. Voilà, c'est un simple constat qui est toujours le même, c'est que on a beau annoncer. Qu'on est là, c'est exactement pareil comme si on y était pas. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Je vous invite à regarder la vidéo très très sympa de l'EcoFest que je vous propose tout de suite. Je vous dis bye bye et à très bientôt sur les ondes, comme on dit, avec Skyway Capital. Bye bye, à bientôt! Skyway, excellent! It's the best transportation in world history. It is a transport of the future. If you cannot see it, you never will. This is the chance for all people all over the world.